moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Dès lors, mon âme torturée ne connut plus que d'affreux jours. La rue du désir fut barrée par les gravats de notre amour. J'aurais pu, d'une main câline, couper le traître en petits morceaux, le recoller à la sécotine pour le redécouper aussitôt. Mais je l'aimais tant l'animal que pour ne pas lui faire de mal, j'ai brisé de la naphtaline les cheveux hagards, l'œil rissé. Ma commode est française, c'est du moderne ancien. Les tiroirs sont Louis XVI, les pieds républicains. Elle fit les barricades, elle ne tient plus très bien. Mais bien qu'elle soit malade, elle met sacré gitien. Et si un jour on vient me la prendre, comme c'est la mode, je défendrai mon bien, le cul sur la commode. Et si le jour on vient me la prendre comme c'est... Il me fout des coups, il me prend mes sous, je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? Je l'ai tellement dans la peau que j'en viens marteau. Dès qu'il me touche, c'est fini, je suis à lui. Quand ses mains sur moi se posent, ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi, je tuerais ma foi. Je crois qu'il me ferait devenir infâme, mais je suis qu'une femme. Que c'est bon quand on revient d'Amsterdam et qu'on a vu pendant des mois des tas de pays, de retrouver le macadam de Paname, ses autobus et son métro et ses taxis, Paris et ses boulevards. Avec tous ces beaux bars, on dit que j'ai de grandes quenottes, que je connais que trois notes. C'est vrai, on dit que j'aime jouer les arpètes, les marchandes de violettes. C'est vrai, mais ne voulons pas chipper aux grandes coquettes, leurs dames aux camélias, moi je vends mes bégonias. On dit que j'ai de belles gambettes, mais je serais pas mistinguée. Allez, applaudissez-vous.